Good morning, allez, dernier sujet aujourd'hui, les Lonishmat, David Ben Fortuna, Mazal Fritna, Lucien Batrina et Claude Shlomo Ben Shalom. Si vous souhaitez vous citer d'une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions Masechet Sota, Perek Bet Mishnah Alef, Hayam Evi et Minchata, Betor Kififa Mitzrit, Venotna Aliadea Kede Leyagea. Kola Menachot, Trilata Vesofan Bichle Sharet, Vezo Trilata Bikfifa Mitzrit, Vesofa Bichle Sharet. כל המנחות טעונות שמן ולבונה, וזו אינה טעונה לא שמן ולא לבונה. כל המנחות באות מן החיטים, וזו באה מן הסעורים. מנחת העומר, אף על פי שבאה מן הסעורים, היא הייתה באה גרס, וזו באה קמח. רבן גמליאל אומר, כשם שמעשיה מעשה בהמה, כך קורבנה מאכל בהמה. On va commencer à présent le Seder, concrètement, au Beth Amikdash, de la Sota. Il y a quelques petits problèmes dans les Mishnayot qu'il va y avoir, en rapport avec les Psukim. J'explique très rapidement, il y a plusieurs actions à faire. On va expliquer après, il y a quatre, c'est moi qui vais proposer de faire comme ça, on va partager en quatre pôles, disons, à gérer, quatre points à faire, chacun avec tous ses détails. Les Mishnayot, elles vont parler... Elles vont donner un ordre d'action à réaliser qui ne correspond pas à l'ordre qui est explicité dans la Torah. Et déjà, tout ça, il soulève la problématique. Et du coup, ça pose un certain problème à comprendre la chronologie des choses. D'accord? On ne va pas rentrer dans tous les détails d'expliquer comment la Torah elle a présenté la chose, comment la Mishnah a présenté la chose. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais d'abord introduire la Mishnah avec ici le Tiferet Israël qui fait le point de la situation, de tout ce qu'il faut faire. Et comme ça, après, on va dire se familiariser avec les principes, avec les quatre points à résoudre, les quatre actions générales à faire. Et puis après, on découvrira la Mishnah. Il faut savoir, il y a une grande marque entre le Rambam et le Tosfot, dans quel ordre concrètement est-ce qu'on fait les choses. Ça n'a pas parce qu'on va préférer à suivre l'ordre des Psukim qui a explicité une chose, ou l'ordre de la Mishnah qui a dit autre chose. C'est assez complexe à savoir. J'ai d'ailleurs pas approfondi tellement de sujets pour définir qu'est-ce qui a poussé chacun à proposer comme ce qu'il a fait. Mais concrètement, on va suivre ce qui dit le Tiferet Israël, c'est fondé sur le Psukim essentiellement. Retenez d'abord quatre points généraux à faire. Lorsqu'une fois qu'on a... Donc la femme, elle a fini, on l'a attrapée, elle s'est isolée, on l'amène au Beth Amikdash, on la lèche carte à Gazit. Ça, c'est les introductions. Maintenant, lorsqu'on va aller au Beth Amikdash, concrètement, on va rentrer dans la Zara pour commencer le rituel de la Sota. On va avoir quatre points, quatre choses à faire avec cette femme jusqu'à qu'elle va concrètement se décomposer si toutefois elle a fauté. Il y a ce qu'on a vu dans l'émission précédente, l'humiliation, on va la mépriser en public pour lui casser son orgueil de manière à ce qu'elle va reconnaître son tort. Il y a donc toute une série d'actions qu'on va faire pour la rabaisser. Il y a à part ça une mincha qu'elle va devoir, la mincha tsota. La mincha tsota, ça veut dire d'apporter une oblation, une offrande d'orge, comme on va voir dans tous les détails, comment est-ce qu'il va falloir le faire. D'ailleurs, le but de notre Mishnah, c'est de parler de cette mincha, comment est-ce qu'elle doit être. Il y a par ça l'histoire que le Kohen, il va, alors la paracha de la sota, il va effacer l'eau de la sota jusqu'à la faire boire, comment est-ce qu'il faut préparer cette eau. Et il y a le fait que le Kohen va faire jurer la femme qu'elle n'a pas fauté. D'accord? Il y a ici quatre points. Je reprends l'humiliation de la femme, la mincha, la préparation de l'eau de la sota, concrètement, avec quand on va effacer la parasha de la sota, et la shvu'a, quand on va faire jurer la femme. Dans quel ordre il faut faire tout ça? C'est là où ça se complique un petit peu. Mais pour l'instant, vous avez bien retenu, d'abord, c'est pas tellement compliqué. Ouais, on est d'accord. C'est logique. Tu vas au Beth Amikdash, pour commencer quelque chose, tu vas porter une offrande. Donc il va falloir d'abord... Il va falloir apporter une offrande, c'est évident. Il va falloir, avant d'apporter l'offrande, on va d'abord humilier la femme, parce qu'on n'a pas envie d'effacer la parasha de la sota. Pour rien. Après, on va concrètement préparer l'eau de la sota, et puis, ce qui va faire que la femme, elle va mourir, c'est quand on va la faire jurer qu'elle n'a pas fauté, et si elle a juré, au bout du compte, elle va sortir du Beth Amikdash, elle va se décomposer, ses membres vont gonfler, vont se décapiter, elle va tout entièrement décomposer. Comme ça, être explicité tout ça dans la Mishnah plus loin. D'accord? Donc on tient bien les quatre pôles, on est bien clair, je répète une fois supplémentaire, humiliation des femmes. La mincha,
préparation de l'eau de la sota. Et la shvoua est incluée dans l'eau de la sota, le fait qu'il va falloir la faire boire, l'eau de la sota aussi. On a ces quatre points. Et en fait, c'est pas qu'on va faire d'abord un et après l'autre. C'est qu'on va faire, on va avancer un petit peu sur tous les fronts en même temps. Un petit peu par-ci, un petit peu par-là, un petit peu par-là, un petit peu par-là. D'accord? Jusqu'à maintenant, on a vu dans la Perek Rishon, on avait déjà vu le côté qu'on allait humilier la femme. En réalité, ce qu'on a vu dans la Mishnah précédente, ça se passe après ce qui va se passer dans notre Mishnah. Ouais, il y a un petit, je vous ai dit, il y a des petites problématiques. Ce que je vais faire maintenant, je vous lis d'abord le Tiferet Israël, le Yachin, qui explique ça. Comment ça se passe? Je le lis très rapidement en diagonale, comme ça. L'ordre de la sota, comment ça se passe? Une fois qu'on l'amène au Beth Amikdash, alors, d'une part, on commence d'abord à le mari qui va apporter, c'est le mari qui apporte la mitra de la sota, comme ce que ça va être tout de suite dans la Mishnah, ce qu'on va voir, il va apporter lui-même l'offrande. Quand il va apporter l'offrande, c'est la portée de chez lui. D'accord? Pendant ce temps, le Kohen, il va déjà commencer à préparer l'eau, en mettant, il va falloir mettre de la terre dedans, et une herbe amère dedans aussi. Et la femme, elle est là pour le moment, et une fois qu'on a maintenant, on a déjà l'offrande qui est là, dans les mains du mari, on va voir ce qu'on va faire, que la femme, elle va devoir, elle, la saisir, et puis ensuite, le Kohen, il a déjà commencé à préparer l'eau, là, on va faire il y a déjà la pression qui monte, ouais. Alors là, maintenant, on va commencer à humilier la femme, à lui découvrir sa tête, à lui déchirer ses vêtements, à lui mettre la ficelle autour d'elle, là, comme ça, autour de sa poitrine, pour soutenir ses vêtements, que ça lui tombe pas, et de manière à ce qu'on... Et alors là... Ensuite, donc, et le Kohen, maintenant, après il va lui mettre la mitra. La mitra n'était pas dans les mains de la femme. Voilà, on a le mari, je reprends. Le mari, il arrive, on va être à Mikdash, on est maintenant en charnique noire, on est déjà passé par l'âge kafkazite, on l'a fait monter, on l'a fait descendre, on a commencé psychologiquement à l'user, tout ça. Elle arrive maintenant, le mari, il est là avec la mitra. Le Kohen, il prend l'eau. La pression monte, elle commence à mettre de la terre. De temps en temps, on la regarde, tout le monde qui est autour d'elle. Ouais, vous imaginez l'ambiance. Et puis là, le Kohen, il va commencer à lui dire, à lui déchirer les vêtements et à l'humilier pour la rabaisser, pour lui casser son orgueil et qu'elle reconnaisse surtout sa faute. Ensuite, on va lui donner la mincha dans les mains maintenant. La mincha qui est dans la main du moment, elle va la mettre dans ses mains. Et le Kohen, pendant ce temps, il va maintenant prendre l'eau, il va mettre une herbe amère, il va faire jurer la femme. On n'a pas encore effacé le Shem Hashem. Pour le moment, on fait jurer la femme. Sache que si jamais tu as fauté, tac, 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 comme souvent dans les Michels plus loin. Et la femme répondra Amen. Quand on répond Amen après une joie, c'est une manière de recevoir la joie, de dire je valide, je m'engage avec ce qui est écrit. Ensuite, le Kohen, il écrit la Megillah. Et il l'efface dans l'eau. Et il fait boire la femme avant ensuite de continuer l'offrande de la Mincha. Vous avez bien retenu. Après, on va prendre l'oral de nouveau. Et après, le Kohen, il prend la mincha, et alors il fait le rituel de la mincha, il va mettre comme si on fait une mincha, il va récupérer ça, il va prendre un petit peu de le comète dans les mains, la pincée, il va la mettre sur le misbéach, et ensuite, il y a toute la anafa et agacha, bien sûr, il prend le comète, il le fait, et ensuite, eh ben, on va voir le résultat du loto, on le dira à ma femme. Allez, rentre chez toi, elle va commencer à sortir, et puis si toi elle a fauté, elle se décompose. Ok? Donc, je reprends dans l'ordre comme on a commencé. Concrètement, il y a eu des préparatifs, mais la première des choses qu'on va faire, c'est qu'une fois qu'on est tous là, avec la mincha d'un côté, l'eau qui est là prête à ce qu'on fasse tout, donc dans l'ordre, on humilie la femme, ensuite on fait jurer la femme, après on efface, après on fait la mincha. Ok? On aura l'occasion d'ouvrir dans les prochaines Mishnayot, on aura l'occasion d'ouvrir les psukim pour voir exactement comment c'est écrit dans la Mishnah, mais je crois que ça suit exactement l'ordre des psukim de la Mishnah, c'est pas exactement l'ordre de la Mishnah elle-même. Ça suit les psukim, ça suit pas la Mishnah en fait. D'accord? C'est clair? On commence maintenant notre Mishnah, et on va s'intéresser, on est encore maintenant dans la deuxième étape des préparatifs, c'est que maintenant, « Aya mevi et minchata betor kfipa mitzrit » Venotna aliadea kedele yagea. Il lui a apporté, c'est le mari qui lui a apporté, c'est lui qui lui a financé ça. Et minchata, c'est la mincha de la femme, l'oblation de la femme. Betor kfifa mitzrit. Dans un panier d'Égypte. Concrètement, c'est en fait, c'est un panier qui est tissé avec des feuilles de roseau, de palmier.
un ustensile relativement très simple. C'était à l'époque, si je peux vous dire, avant le plastique, c'était ce qu'on utilisait pour les trucs pas chers, les paniers pas chers, ça, on donnait ça aux enfants à faire très facilement, il y en avait à tout va, c'était quelque chose de méprisant de nouveau. Au lieu que quelqu'un qui apporte une nitro bétamigdash et la porte dans des autres kelim, comme ce qu'elle a précisé ensuite, elle a apporté de manière, tu apportes quelque chose avec un sac plastique bidon, c'est de nouveau toujours tout rabaissé au maximum, maximum. Le but de la Mishnah, c'est quand on va faire la Mishnah, elle s'est conduite comme une animale, on se comporte envers elle comme une animale, il faut qu'elle le ressente profondément avec toutes ses actions méprisantes. Donc, je reprends. Il a porté la mincha dans le panier, qui était en panier donc de feuilles de panier, quoi. Venotna aliadea, qui dès le yaga, il lui donnait dans les mains, elle va devoir le tenir maintenant jusqu'à que ça va commencer à lui peser dans les bras. Ça pèse, elle doit garder les mains en l'air comme ça, elle n'a pas le droit de baisser, elle remonte les bras. Vous imaginez? C'est tout ça, c'est de la pression psychologique. Mais maintenant, la Mishnah va nous comparer la singularité de notre mincha, de cette oblation, par rapport à toutes les oblations qu'il y a dans la Torah. Toutes les menachot, lorsqu'on les apporte, depuis qu'on les apporte au Beit HaMikdash jusqu'à qu'on les fasse sur le Mizbeach, on les apporte toutes dans des klisharet. C'est pas exact. C'est quoi un klisharet? C'est d'abord un ustensile du Beit HaMikdash. Les ustensiles du Beit HaMikdash, ils étaient en or ou en argent. Concrètement, lorsqu'on apportait une mincha de la maison, c'est pas qu'il fallait l'apporter dans un ustensile du Beit HaMikdash, parce qu'il fallait d'abord que ce soit dans un ustensile qui soit profane, on choisissait un bel ustensile, en or ou en argent. On prenait des beaux ustensiles pour venir, on apportait une mincha au Beit HaMikdash. Par contre, vezo trilata bikfifa mitzrit, vesofa bikhlecharet. Mais celle-là, elle l'a fait entrer au Beit HaMikdash dans une kfifa mitzrit, avec un panier concrètement, dans un panier de paille, si je peux dire, c'est pas de la paille, et d'Égypte, Vesorfa Bichlecharet. Pourquoi d'Égypte? Je sais pas pourquoi c'est d'Égypte. Je sais pas si les Égyptiens qui étaient professionnels pour faire ça. En tout cas, Vesorfa Bichlecharet, et une fois qu'elle a porté son Beit HaMikdash dans sa kfifa mitzrit, alors on finissait ensuite par la mettre dans le klisharet qui est en argent. Mais d'abord, quand on la porte dans la maison, c'est de manière méprisante, comme ce qu'on a dit. Il y a une phrase un petit peu inexacte, mais d'abord je traduis, c'est pas grave. Toutes les menachot, kol menachot teunot shemen ulvona, il fallait mettre dedans de l'huile et de la levona, une certaine encens qu'il fallait mettre dans chaque offrande, tandis que vezo et celle-ci de la sota, il fallait lui mettre ni shemen, ni huile, ni la levona, ni l'encens. Kol ha-menachot ba'ot min ha-chitin, vezo ba'a min ha-seorim. Toutes les menachot, on les apportait avec du blé, elles étaient à base de blé, tandis que celle-ci de la sota, elle est à base d'orge. Et je continue encore la prochaine phrase, après je fais de l'ordre, parce qu'il y a plein de problématiques. Mincha ta-omer, la mincha du omer, qu'il fallait apporter le lendemain, du premier jour de Pessah, quand on fait l'apporter, on commençait le conduit au maire, la mincha qui va l'apporter à l'époque, Afalpisheba mina seorim, c'est vrai qu'il fallait quand même l'apporter elle aussi de l'orge, mais malgré tout, yaita ba'a geres, elle venait avec une semoule un peu épaisse, vezo ba'a kemach, et celle-ci, elle venait avec de la farine. Fin de la comparaison de trois points sur la qualité de la mincha qu'on apportait. La Mishnah, elle me dit qu'en fait, la mincha, 4 si je compte en haut, mais là je parle concrètement de la matière, ce qui va l'apporter. La Mishnah me dit, de manière générale, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler à l'envers. On va dire, la mincha de la sota, elle apporte de l'orge qui a été réduit en farine. La différence, il faut bien comprendre, la différence entre la farine et la semoule. Pourquoi la semoule, elle est de meilleure qualité? C'est par rapport à ce qu'elle représente. La farine, on moue tout en même temps. Ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a de pas bon, on écrase tout en même temps. Même ce qui était... pas consommable tellement, tout y passe. Et elle amène ça tel quel, avec de la farine de d'orge, sans rajouter rien du tout, la plus fade possible, sans aucune allure, sans rajouter d'huile, sans quoi que ce soit. Alors que toutes les menachot, alors, on a plusieurs sortes de menachot. Il y a des menachot d'abord, le top de la mincha, c'est celle qui arrive avec toute la classe, on apporte avec de la semoule, de blé, le blé c'est meilleur que l'orge, vous savez. Le blé, c'est la nourriture des hommes. L'orge, c'est en général la nourriture des animaux. On peut aussi en manger,
mais c'est surtout pour les animaux. Ça singularise les animaux. Maintenant, lorsque les hommes mangent de l'orge, ils le mangent quand même malgré tout avec un peu plus de qualité. Ils vont manger la semoule, ils vont rajouter dedans de l'huile et de la levona. Elle apporte ça de manière la plus plate et rabaissante possible. C'est ce que la Mishnah va nous comparer. C'est-à-dire, je reprends les trois éléments de comparaison de la Mishnah. La Mishnah, elle a l'air pas exacte quand elle nous parle. Parce que toutes les menachot, elles viennent avec du blé. C'est pas exact, il y a des menachot qui viennent avec de l'orge. Mais celles qui vont venir avec de l'orge, malgré tout, tu vas pas apporter de la farine. Et en plus, ça, tu vas même rajouter dedans de l'huile et de la levona. Alors qu'elle, il n'y a rien qui va la relever un petit peu. À la différence de toutes les autres menachot, elles ont au moins, même si ce n'est pas toutes du blé avec de l'huile et de la levona, mais il y a au moins quand même quelques petits points positifs. Tu apportes de la bonne qualité, tu apportes de la semoule, tu vas rajouter de l'huile, tu vas rajouter de la levona. Des fois, tu vas apporter même que du blé sans huile et levona, mais c'est au moins du blé. Vous imaginez la différence entre manger une pita simple relativement, mais qui est à base de farine blanche, bon, c'est quand même agréable. Tu peux faire aussi un pain complet, sympathique. Tu peux faire, mais là, tu apportes un animal vraiment, de nourriture vraiment animale, quoi. Tu apportes de la farine, t'écrases tout en même temps, comme ce qu'il dit le Tiferet Israël. Tu t'écrases tout en même temps, tu moues en farine grossière. Tout est mélangé dedans, sans rien rajouter dessus. Elle apporte sa mincha. C'est de nouveau pour représenter le fait qu'elle s'est conduite comme une animale, comme ce que continue Rabban Gamliel. Elle nous dit, Rabban Gamliel Omer, Keshem Shema Asea Maase Bema, autant que ses actions ont été des actions d'animal, elle s'est conduite comme une animale. Que de croire qu'on peut avoir des rapports avec n'importe qui, n'importe comment, sans... parce que j'ai envie, ça me prend. Et ben non, elle s'est conduite comme une animale. C'est pour ça que Kar Korbana Ma'achal Be'ema, moi-même, de nouveau, c'est un Mida Keneged Mida, que mesure pour mesure, de même de nouveau, la Torah nous a dit, comporte-toi comme un animal. Animal, bah, amène de la nourriture d'animal en tant qu'offrande, comme ça tu l'apportes comme si c'était une vache qui amène à manger. Chacun, il apporte dans l'offrande la meilleure des choses qu'il a. Toi, la meilleure de choses que tu peux apporter, c'est que tu as un animal, tu apportes une nourriture d'animal. C'est le principe qu'il a voulu exprimer par la Rabban Gamliel. Ça, sur le Rabban Gamliel, la Gemara rapporte encore un autre avis de Rabbi Meir. Pourquoi est-ce qu'elle devait apporter de l'orge? C'était le contraire, c'était Mida Kenegan Mida, parce que lorsqu'elle s'est isolée avec un tel, si elle a fauté avec lui, alors la nature, elle était de se mettre en ambiance, manger des bons petits plats, agréables, pour ensuite fauter ensemble. Alors, tu l'as fait des bons aliments, apporte maintenant des aliments d'animaux. Nous aussi, on te méprise sur ce que tu as méprisé. De nouveau, c'est le même principe de Mida Keneged Mida. Et voilà, je répète juste très succinctement les quatre points, parce que là, on va en avoir besoin pour le site de Mishnayot. Retenez-les bien. Il y a les actions de mépris, on méprise la femme, c'était le pérec précédent. Il y a la mincha qu'il faut apporter. Il y a le fait d'effacer l'eau et de la faire boire. Et le fait de faire jurer la femme aussi. C'est les quatre éléments que maintenant on va voir à présent dans notre chapitre. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée.